de droite à gauche, ce Parlement ne représente que la corruption. Vous, capitalistes, Pompon, vous n'avez cessé de pousser la classe ouvrière à la misère. Et vous, communistes, vous avez cessé d'exploiter cette misère voulue par les capitalistes. Messieurs, je n'ai plus rien à dire. J'ai eu conscience de vous dire quelques vérités, peut-être désagréables, mais utiles. Non, ce ne sont pas quelques interruptions qui m'arrêteront. La communauté française ne se bâtira pas sur le conflit de la vieille bourgeoisie égoïste et du peuple affamé. C'est pourquoi je ne voterai pas ce projet qui donne satisfaction au capitalisme international et serait le bon prétexte pour les communistes à accentuer nos divisions. Je ne le voterai pas. Je serai sans doute le seul à ne pas le voter, car il semble que par une étrange aberration, la chambre tout entière soit faite comme toujours à trahir l'intérêt français au bénéfice de certains intérêts internationaux très particuliers. Du courage, ce petit Abel. Ces petits nationaux trop puritains nous font perdre notre temps. Il faudrait l'éduquer un peu. De quelle loge est-il? Il n'est pas de chez nous, mon frère Dubois. Tout s'explique. Voilà un garçon intelligent qui a besoin d'une méthode et de conseils. Présentez-le donc. Il est sensible, il faudra procéder avec précaution. Envoyez-lui la rivière, il saura le persuader. J'y vais. Mon cher vénérable, nous avons un service à vous demander. Enfin, des dons, je vous suis tout dévoué. Le jeune Avenel, qui vient de parler assez brillamment, devrait subir les épreuves de l'initiation. La maçonnerie lui apporterait beaucoup et le disciplinerait. Ne croyez-vous pas? J'y pensais déjà. Nous allons nous en occuper activement. Alors, je suis brisé. Comment avez-vous trouvé mon discours? Excellent. Vous leur avez dit de fort bonne vérité. Ouais, ça n'a pourtant servi à rien, ils ont voté le projet. Ça ne sert jamais à rien de dire la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent de beaucoup les mensonges. Vous êtes cynique. Non. J'ai une certaine expérience politique. Déjà ancienne. À propos, voulez-vous venir un peu avec moi? J'ai quelque chose à vous dire. Volontiers. Sur la franc-maçonnerie. Je vous ai dit l'autre jour que vous étiez curieux de connaître cette association. Ah oui, on en dit tantôt du bien, tantôt du mal. Je vous avoue que je n'aime pas beaucoup les sociétés secrètes. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. C'est une société discrète. Pourquoi éprouves-tu tant de répugnance à me voir entrer dans la franc-maçonnerie? Cette association me semble suspecte. Il ne doit y avoir que des arrivistes là-dedans. Non, voyons, ce sont peut-être aussi des braves gens animés d'un idéal sincère. Le texte qu'ils m'ont donné est rempli de bonnes idées. Tu me diras que ça n'est qu'un programme affiché à l'entrée, mais il me paraît loyal. Tu es un honnête homme, mon chéri, mais tu as un grand défaut. Ah, et lequel? Tu ne vois jamais le mal. Tu imagines que les autres sont bons comme toi-même. C'est pourquoi tu as toujours des déceptions. N'importe, je suis décidé à tenter cette expérience. Alors fais-la, je souhaite me tromper. Come on.
dois-tu te présenter chez ces gens? Mercredi. Déjà. Les travaux reprennent force et vigueur. La tenue du comité a voté l'interrogatoire du profane Abnet. Nous allons lire les rapports confidentiels de nos enquêteurs. Pierre Abnet, né en 1902 à Laval, a fait sa première communion. Oh mon frère, vous l'avez eu, vous m'en prie. Mais déclare ne pas pratiquer régulièrement. Ah. A même cessé de fréquenter l'église. Oh, très bien. Mais s'avoue spiritualiste. Monsieur, voulez-vous me suivre? Permettez-moi de vous barder les yeux. Mes frères, le profane Avenel, qui nous est recommandé par notre frère Gainsbourg, vice-président de la Chambre, est député. Cela ne nous impressionne pas. Nous devons surtout examiner ce qu'il pourra apporter à la franc-maçonnerie. Il nous faut des gens qui servent notre ordre et contribuent à sa puissance. Pour l'instant, il paraît afficher des idées nationales un peu trop absolues. Mais enfin, je voudrais vous prévenir d'une chose. Comme il est de notre intérêt de tenir en main un grand nombre de parlementaires, il vaudrait peut-être mieux ne pas lui poser des questions qui pourraient le choquer. On nous le signale comme assez sensible sur les questions spirituelles ou religieuses. Quand il aura travaillé quelque temps parmi nous, il aura évolué. Silence le plus absolu, mes frères. Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple? C'est un profane qui demande à être interrogé.